devez absolument partager la vidéo, donc là on se trouve en fin de première période, donc je tenais à vous signaler ce bug depuis le début du jeu. Il n'a toujours pas été corrigé et ça commence vraiment à me casser les pieds. Je pense qu'à ce qu'il y a plus d'un joueur. Donc là, dès que vous avez un joueur blessé, normalement vous avez la gestion et le remplacer, donc là ce n'est pas possible, il faut tout simplement reprendre le jeu et refaire option et remplacer le joueur. Donc l'équipe essaie de partager à plus de personnes possible pour que ça soit simulé, pour que EASport essaie de corriger ce bug. Donc les gars, je vous remercie d'avance. Passez une bonne journée à vous. Ciao, ciao les gars.